contre moi et l'amour contre notre amour. Là, tiens, à ce propos, Isabelle, bonjour d'abord. Bonjour Thierry. D'ici 2025, 11 millions de logements devraient être rénovés pour être conformes aux nouvelles normes de projet énergétique. C'est bien ça? Alors on dit devrait parce que c'est encore un projet de loi, donc c'est pas encore entré en vigueur, mais ça devrait quand même entrer en vigueur. Alors de quoi s'agit-il? Vous savez qu'aujourd'hui, les étiquettes énergie sont partout, sur l'électroménager comme sur les habitations. Or, il s'avère que les plus mauvais élèves, ceux qui sont étiquetés F ou G, c'est-à-dire les plus gourmands en énergie, vont devoir d'ici 2025, c'est-à-dire avant 10 ans, effectuer des travaux de rénovation pour absolument faire des économies d'énergie. Sinon, eh bien, ils risquent de ne pas pouvoir revendre leur habitation. Donc ça veut dire qu'il y a 11 millions de foyers qui sont concernés, ça veut dire qu'il y a des millions de particuliers qui vont devoir faire des travaux, payer des travaux. Heureusement, il y a quand même des aides. Et ces aides, on ne les connaît pas pour 70% d'entre nous. Donc on s'est dit, voilà un bon sujet, voici des informations avec un expert sur les aides auxquelles vous pouvez prétendre. Tous les particuliers qui ont un logement dans une classe énergétique entre F et G vont devoir faire des travaux d'économie d'énergie. Alors quel type de travaux ? L'objectif étant de réduire sa facture d'énergie, ça va concerner les travaux d'isolation, les travaux de chauffage. Alors il faut bien comprendre que pour réduire sa consommation d'énergie dans un logement et pour avoir une meilleure étiquette énergie, on va encourager une rénovation globale. 30% aujourd'hui des déperditions thermiques d'un logement se font par le toit. Effectivement, la chaleur monte. Donc aujourd'hui, isoler son toit, isoler sa toiture, isoler ses combles, c'est peut-être déjà les travaux les plus prioritaires. Alors pour isoler ses combles, il faut compter à peu près 20 € par mètre carré isolé dans vos combles. Vous allez pouvoir obtenir des primes énergie qui représentent 6 € par mètre carré. Vous allez également pouvoir obtenir un crédit d'impôt qui représente 30% du montant de vos travaux. Pour des travaux d'isolation des murs qui vont vous permettre de réellement réduire votre consommation d'énergie dans votre logement, vous allez devoir compter quasiment entre 20 € et 25 € par mètre carré isolé. Sur ces 25 €, vous allez obtenir une prime énergie égale à 9 € par mètre carré isolé. Et vous allez également pouvoir obtenir un crédit d'impôt toujours égal à 30% du montant des travaux que vous aurez payés. D'autres travaux prioritaires, c'est également changer ses fenêtres. Par exemple, changer un simple vitrage par une fenêtre double vitrage va vous coûter 800 € par fenêtre. Alors sur ces 800 €, vous allez pouvoir recevoir une prime énergie de 30 € et 30% de crédit d'impôt, donc 240 €. Donc ça vous laisse effectivement quasiment 500 € à financer. Ces 500 € à financer, vous pouvez toujours obtenir un éco-prêt. Pour une chaudière à condensation va coûter à peu près 4 000 €. 4 000 € posés par un installateur agréé. Vous allez bénéficier d'une prime énergie de 500 €. Vous allez obtenir un crédit d'impôt de 30%. Donc de 30% de 4 000, c'est 1 200 €. Ça vous laisse un reste à financer de 2 300 €. Ces 2 300 €, vous pouvez désormais les financer également par un éco-prêt. Alors la première condition pour obtenir ces aides, c'est de passer aujourd'hui par un artisan RGE, donc reconnu garant pour l'environnement. Ça, c'est fondamental. Après, effectivement, pour obtenir un crédit d'impôt, il va falloir que ces travaux concernent votre résidence principale. Pour les primes énergie, en revanche, vous n'avez absolument aucune contrainte. La seule contrainte, bien entendu, c'est d'engager les travaux d'économie d'énergie. Donc il faut mettre la main à la poche, mais il faut avoir une grosse poche, hein. Une très très grosse poche, voilà. Oui, absolument. Alors le crédit d'impôt, rappelons-le, c'est pour les résidences principales, pour les personnes propriétaires. La prime énergie, c'est pour tous, propriétaires, locataires, résidences principales ou secondaires. Et n'oubliez pas RGE, garant de l'environnement. Merci Isabelle, à plus tard.